Alors pour ce culte du Vendredi Saint, où nous faisons donc mémoire de la crucifixion de Jésus, je vous propose de nous pencher, de nous nourrir du début du livre de Josué, qui est donc le sixième livre du Premier Testament de la Bible. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne à ton peuple. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate. » Tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. Observe et mets en pratique toute la loi que j'ai prescrite à Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche et tu y méditeras jour et nuit pour observer et pour mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué alors donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain que voici, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Nous prions Dieu. Seigneur, nous te prions de ressusciter maintenant nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton Évangile. Que ta parole nous touche au plus profond de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie au plus profond de notre être. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Et que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants.
Sur la croix, Jésus dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et donc, selon le témoignage de Jean, les dernières paroles de Jésus furent de dire « Tout est accompli », c'est-à-dire le temps de la grâce est arrivé, le temps de la délivrance, le temps du royaume de Dieu qui est là, ici et maintenant. Tout est accompli, le salut n'est donc plus à espérer, il est accompli. Le Messie n'est plus à attendre, il est venu. L'heure ultime n'est plus dans le futur, le temps est venu. Tout est accompli donc, mais pourtant, rien n'a encore vraiment changé. La preuve, quand Jésus dit cela, au même moment, un innocent, lui, est précisément encore accusé, condamné, exécuté. Et pourtant, cet homme est juste, et même plus encore que juste, puisqu'il est la source d'un salut inouï, divin, pour l'humanité de tout temps et de tout lieu. En réalité, à cet instant, tout est accompli, mais tout reste encore à faire. Tout a été donné, mais tout reste à vivre. Nous sommes alors comme le peuple hébreu qui a été conduit par Moïse et qui est à la porte de la terre promise, pays où coule le lait et le miel. Jésus, sur la croix, est comme Moïse sur le mont Nebo qui voit la terre promise sur l'autre versant, juste là. Et donc oui, Jésus peut soupirer, tout est accompli. Oui, ta mission est terminée, bien malgré toi, bien malgré ta volonté, c'est terminé. Mais le but est atteint, le monde en a été ébranlé, le voile du temple a été déchiré de haut en bas, ouvrant un passage sur ce que nous pensions être interdit, inaccessible. Le ciel a été lui ouvert, lui-même, pour que nous entendions directement la parole de l'Éternel nous parler, comme jadis. L'Éternel a parlé à Josué, tout pareil. Et la voix de l'Éternel nous dit à vous, à moi, face à la croix du Christ, comme à Josué en son heure, « Aujourd'hui, mon serviteur est mort. Et maintenant, toi, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. » Maintenant, pas demain, pas l'année prochaine, pas dans un autre temps, pas quand un autre événement arrivera. Lève-toi, c'est-à-dire littéralement, dans la langue de la Bible, ressuscite, éveille-toi, explore une dimension nouvelle qui t'est permise, celle de la verticalité. Lève-toi pour marcher peut-être. Et oui, passe ce fleuve, passe cette frontière infranchissable, ce mur de verre qui t'empêche de choisir d'être sujet de verbes d'action qui t'étaient inconnus. Le mot même de Pâques signifie un passage. Pâques, c'est un franchissement, passer de l'attente à la réalisation, passer du sommeil à la résurrection, passer du « que fait le gouvernement, que fait le bon Dieu, c'est un scandale que » à un premier pas de pionnier pour avancer, franchir, transgresser peut-être, un premier geste de bâtisseur de cathédrale. Passe ce fleuve, toi et tout le peuple, pour une fois, pas toi tout seul, pour toi tout seul, mais toi, oui, toi, pour tout le peuple. Alors désolé de la complication, mais c'est ça en fait, le cœur du projet. C'est n'oublier pas un seul de ceux qui nous sont confiés. Et cette charge n'est pas un fardeau pour toi, car notre joie est d'être avec ceux qu'on aime, en fait, et de vivre tous ensemble, et de vivre bien. Passe dans ce pays que je vous donne, car oui, ce pays que Dieu nous a donné en Christ est une façon d'être, est une façon d'aimer, d'espérer et d'être fidèle, mais tout cela n'a pas de sens que si on le met en pratique, en fait. Et donc oui, tout a été accompli. Tout a été accompli par Christ dans sa pourtant trop courte vie, et puis tout reste encore à faire. Tout nous reste à faire maintenant. Et pour cela, comme pour Josué devant le Jourdain, il va falloir nous mouiller un peu. Car si Dieu va écarte l'eau de la mer, va écarter l'eau du fleuve pour nous faire un passage, ben faut dire qu'il restera quand même quelques flaques. Donc, Christ a ouvert une porte devant toute personne, c'est son œuvre immense, irremplaçable, inaccessible sans cela. L'ouverture est accomplie, la porte est ouverte.
C'est son travail de 3 ans, peut-être, à témoigner en parole et en acte. Un travail que Jésus a accompli également sur lui-même, finalement, durement. Dans la prière face à ses propres tentations, tout au long de sa vie, dans des moments de doute, d'hésitation, et puis encore à Gethsémané, quelques jours avant, face à sa tristesse et à son angoisse de devoir quitter ce monde qui est si beau. Et donc la traversée du désert par Moïse avec les Hébreux avait, eux aussi finalement, ces deux faces, avec des temps d'une rencontre avec Dieu, et puis des temps de face à face avec le peuple. Et jamais, c'est très facile. Cette traversée du désert mène à la porte de la terre promise, mais ce n'est pas tant un déplacement qu'un accouchement, finalement, cette traversée du désert. Accouchement d'une génération nouvelle qui est née de cette traversée du désert. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose que nous pouvons vivre, en fait. Jésus a fait naître une génération nouvelle en nous. Et cette génération est devant une porte qui a été ouverte pour elle. C'est une liberté sur un vaste pays que Dieu nous donne. Alors je pense sincèrement que Dieu n'est pas une sorte de maître du cadastre, donnant tel lopin de terre à certains, donnant telle montagne à un autre. C'est à nous de nous organiser pour nous partager avec bonté et avec justice les ressources limitées que sont ce monde, en fait. C'est un autre pays que Dieu nous donne, et il peut donner entièrement à chacun et à tous. L'Évangile nous dit que Christ nous conduit à la porte d'un vaste pays qu'est le royaume de Dieu, mais Dieu a une drôle de façon de régner, en fait. Nous l'avons entendu, son royaume n'est pas, en fait, de ce monde. Il règne en créant l'homme à son image, le rendant libre, intelligent, capable de foi, d'espérance et d'amour, nous dirait Paul. En un mot, en lui donnant le pouvoir d'être christique à notre façon, Christ à notre façon. Donc nous sommes à cette porte, il n'y a plus qu'à être ce Christ que nous sommes faits pour être. Mais comme Josué, nous ne voyons pas trop comment faire, en fait. Eh bien, l'Éternel nous dit, « Maintenant, toi, lève-toi, passe ce Jourdain avec tout ce peuple qui t'est confié pour entrer dans le pays que je te donne. » Ben voilà, précisément, il y a le Jourdain en travers, et une vie inconnue devant. Et il y a les doutes vis-à-vis de Dieu. Son serviteur est mort, comme on peut le constater. Son serviteur est mort. Jésus lui-même s'est senti soit abandonné par Dieu, soit trahi par l'incapacité de Dieu de lui éviter le pire. Et puis, oui, Jésus est mort, la bouche ouverte, cherchant de l'air comme un poisson sur le bord de la plage. C'est pitoyable. Mort à la porte d'un idéal magnifique où l'on trouve son bonheur dans la faim et la soif de plus de justice, de plus de bonheur. Et le bonheur d'être reconnu par Dieu, pardonné, encouragé par lui, soutenu par lui au jour le jour. Et puis ce pays où l'on connaît cette liberté d'aller vers chacun pour lui porter le meilleur de la part de Dieu, une attention, un soin, une parole, un encouragement. Donc Jésus, le serviteur de l'Éternel, a ouvert cette porte, mais il est mort. Il n'a pas visité un millionième des pauvres qui sont donc laissés sans espérance. Comment aurait-il pu, lui-même, n'avait que 24 heures par jour et si peu de jours devant lui à vivre? Mais même plus que cela, son incapacité de courir partout, du Groenland à la Papouasie, pire que ça, fondamentalement, le monde et ses habitants n'ont pas vraiment changé, en fait, par l'action du Christ. C'est les mêmes, nous sommes les mêmes qu'à l'époque, et peut-être aussi qu'à l'époque de Cro-Magnon. Et c'est normal, finalement, parce que chaque personne doit revivre dans sa propre histoire l'évolution de l'humanité tout entière, depuis la première cellule, ensuite quelque chose qui peut ressembler à une sorte de tétard, puis apprendre à marcher sur les pattes de derrière qui ont poussé miraculeusement, et puis apprendre à parler, et puis apprendre peut-être la loi de Moïse et son annonce que Dieu nous libère pour vivre et qu'il est bon peut-être de vivre en ne tuant pas trop son frère, sa sœur. Et puis finalement, cette porte que le Christ a ouverte, c'est une évolution nouvelle qui nous est donnée à vivre. D'abord, à chacun de nous qui devons revivre toute cette évolution prodigieuse, finalement, dans notre propre être, et puis peut-être faire évoluer un peu l'humanité, mais
à pas si lent. Et donc pour que maintenant nous nous levions, nous ressuscitions, nous passions un cap, nous, avec et pour ceux qui nous sont confiés, que nous aimons. Alors en réponse à nos doutes et à ce qu'a vécu Jésus sur la croix, l'Éternel nous donne une promesse et quelques conseils tout simples. Cette parole nous est dite par le livre de Josué et nous pouvons donc la méditer en ce temps de Vendredi Saint. Oui, le fait que ce soit une parole mise dans la bouche de l'Éternel et non pas simplement un enseignement théologique, cela nous invite à recevoir cette parole non pas seulement comme un enseignement, comme nous le faisons ce soir, mais à le recevoir dans notre propre prière finalement, pas simplement avec notre sagesse. Cette parole, en fait, directe de l'Éternel en nous-mêmes. Cette parole, beaucoup l'ont entendue, d'autres l'ont peut-être ressentie comme un amour qui les enveloppe. Alors cela dépend de la sensibilité de chacun et puis ça peut dépendre aussi de la façon dont on exprime finalement son expérience spirituelle. Mais en tout cas, dans la prière, je pense que tous nous pouvons vivre cet exaucement de cette parole d'encouragement et de sagesse, et de se rendre compte, peut-être seulement après coup, peut-être le lendemain ou quelque temps après avoir prié, peut-être plusieurs jours, comme dans ce texte où on nous parle de 3 jours, eh bien que l'ange de l'Éternel est passé et que nous en avons été transformés. Alors en fait, la première parole de Dieu qui est adressée à Josué et qui nous est adressée à chacune et chacun d'entre nous, c'est une promesse qui l'engage et par laquelle l'Éternel nous dit « Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et cette parole est comme en écho à ces doutes qui font vraiment souffrir la foi de Jésus sur la croix. Non, Dieu n'abandonne pas son enfant, bien entendu. Et cette parole « Je ne t'abandonnerai pas » est sans condition suspensive. Il n'y a même pas de petites notes illisibles au dos du contrat écrit en gris clair sur du papier blanc. Dieu annonce, comme au patriarche, une bénédiction qui est plus forte que tout, plus forte même que nos égarements. Et c'est ce qui fonde une liberté dans cet avenir que Dieu ouvre de nous, liberté, le droit d'explorer, le droit à l'erreur, le droit à la sincérité. Mais cette promesse est-elle, finalement, que la chance et le succès nous seraient assurés tous les jours de notre vie? C'est un peu ce qu'on pourrait entendre à la lecture de ce texte de Josué. Bien sûr que non, évidemment. Les gens qui ont écrit le texte de Josué et Jésus sur la croix, moins que tous les autres, ne sont pas des imbéciles. Il est clair que quand on trace une route nouvelle, cela ne plaira pas à tout le monde. Jésus en est la dramatique victime, mais il n'est pas une victime naïve. Il sait qu'il est normal de rencontrer de l'opposition quand on est prophétique. Tous les prophètes avant lui ont reçu le même accueil sympathique. Et il nous annonce qu'il en sera de même pour nous, donc il n'est pas dupe une seconde. Donc cette promesse que personne ne tiendra devant ta face, c'est pas de la superstition, c'est pas plus de chance, mais c'est plutôt le pouvoir d'être son propre chef, d'être plus fort que le désir de chercher l'approbation dans le visage des autres, dans le regard des autres. Oui, nous en avons tellement soif de cette approbation. Oui, nous avons tellement peur de leurs injures qui nous font si mal. Mais cette soif et cette peur, elles fermeraient la porte à notre liberté, à notre sincérité, à cet esprit prophétique que Dieu veut que nous ayons. Mais cette porte-là, elle nous a également été ouverte par le Christ, en fait. Et donc nous choisirons alors notre route face à Dieu et face à une certaine idée de la justice, non pas face aux autres en fait, ni en opposition pour chercher à faire le malin ou à écrabouiller les autres, ni pour chercher l'approbation des autres, mais pour les autres, nous dit l'Éternel, pour ceux qui nous sont confiés. Telle est notre vocation et il nous est promis que finalement, eh bien oui, ça sera bien toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc malgré tout, il y a une efficacité qui va être plus forte que ces négativités. Et en Christ, c'est vraiment ce que l'on peut dire, historiquement parlant. Et donc Moïse est mort, Jésus est mort. Et maintenant, nous dit cette parole de l'Éternel, c'est vous, c'est toi le patron,
C'est à toi d'inventer la route nouvelle, c'est à toi maintenant que est donné le titre de serviteur. Serviteur qui doit ouvrir une route nouvelle pour ceux qui te sont confiés, pour qu'ils vivent et qu'ils vivent mieux. Et Dieu te rendra, nous rendra, capables de cette vocation. Alors quand même, il donne quelques conseils pratiques. Cette promesse d'avenir, elle est assortie donc de deux ou trois petits conseils, en fait, très simples et très concrets. D'abord, fortifie-toi et prends courage. C'est manifestement un des points clés, puisqu'il va le répéter après. Fortifie-toi seulement, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et aie bon courage. Puis encore, cet ordre est répété une troisième fois en l'appuyant, en fait, sur deux choses, peut-être qui précisent les décrets d'application. Il dit que ça peut être s'appuyer sur une méditation quotidienne, finalement, de la Bible et sur la confiance que l'Éternel est vraiment là. Alors, depuis toujours, nous savons combien nous recevons de force et de courage dans cette nourriture quotidienne, à la source de la Bible et à l'ouverture de cette présence de Dieu auprès de nous, en nous. Et c'est grâce à ça, finalement, que, par exemple, de la révocation de l'édit de Nantes à l'édit de tolérance, eh bien, des hommes, des femmes, des familles ont pu, sans aucune église, sans aucune assemblée, ou fort peu, eh bien, simplement, en lisant la Bible et en priant Dieu, pendant des générations, garder cette foi fidèle. Ça relativise un peu la place de l'Église, mais néanmoins, nous sommes ravis de nous retrouver ensemble, bien entendu, et ces protestants du XVIIIe siècle l'ont longtemps attendu, cet enrichissement et cette force. Mais déjà, Josué prend courage, et il se lève en prophète, et déjà, il se préoccupe d'aider ceux qui lui sont confiés pour qu'eux-mêmes se fortifient et prennent courage. Et il leur dit, « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, eh bien, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir ce pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Et donc, c'est un appel à se mobiliser pour un temps de préparation. 3 jours pour se préparer, pour avoir plus de courage. Courage d'entreprendre un voyage que nous pensions impossible et de le faire en tant que le héros de cette épopée. 3 jours pour faire des provisions, nous dit Josué. Alors, provisions, je vous en propose déjà 2. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour, aimez-vous les uns les autres. Et donc, oui, nous pouvons faire provision de l'amour dont nous avons été aimés. Et quand on y fait attention, c'est une occasion, finalement, d'en faire provision. Quand on se le remémore, on se laisse créer comme plus aimant et plus motivé pour aimer. Donc la première provision, c'est d'aller chercher cela et de le stocker. Jésus nous dit aussi, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc oui, provision d'Esprit Saint, et puis provision aussi de tout ce que Jésus a dit et fait, c'est à méditer dans la prière, donc, face par l'Esprit Saint. Et de cela aussi, nous pouvons faire provision dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre façon de comprendre comme un Josué pour ce monde, pour aujourd'hui, ce que ça peut vouloir dire. Et donc oui, nous puiserons dans ces provisions une force et un courage pour avancer déjà peut-être un premier pas pour traverser le Jourdain, même si comme le peuple, nous n'y croyons pas encore que l'on peut traverser ce fleuve en furie. C'est un premier pas, le premier pas qui coûte le plus en fait. Voyant les eaux reculer, voyant l'improbable promesse s'accomplir, encore une fois, comme pour les générations passées, mais nous n'y croyons pas vraiment à l'expérience des autres, eh bien nous prendrons courage enfin pour nous-mêmes et nous serons forts avec la grâce de Dieu et en nous soutenant les uns les autres. Amen. Thank you.